Salut, salut, salut tout le monde! Alors, nous allons débuter la huitième partie du walkthrough de The Saboteur. Oui, parce qu'on dit pas walkthrough, on dit walkthrough. Enfin, j'ai du mal à prononcer, mais voilà, ça se prononce à peu près comme ça. Pensez au jeu walkthrough à peu près pour vous aider à le prononcer. Allez, on va se faire une petite mission là. Ah bah c'est dans la chambre de chef. Ah oui, avec Skylar. Ça te dit une virée? On dit que la campagne est vraiment belle à cette période. En effet, je suis sûre que mes amis sont anxieux à l'idée de voir leur prix. Alors faut pas les décevoir. Voyage sur la côte. Hein? Ah, ça doit être rapide ça comme bagnole. Il faudra franchir les points de contrôle nazis et échapper à leur patrouille. Ça va pas être facile. T'inquiète. Oula. Je connais un raccourci pour quitter la ville. J'ai indiqué l'itinéraire sur ta carte. Alors, agent secret Skylar Sinclair, comment avez-vous plongé dans ce milieu? Une fille a le droit d'avoir ses petits secrets. Je suppose que tu faisais déjà ce boulot lors de notre première nuit. On peut dire ça comme ça, mais c'était pas encore officiel. Alors c'est quoi? Tu mens pour vivre? Un peu comme au lycée, je suppose. Qu'est-ce que tu vas faire après la guerre? Tu comptes faire ça pendant tout le reste de ta vie? Ça dépend du vainqueur et du fait que je sois encore là pour en parler ou pas. Je préférerais ne pas en parler. Et nous y voilà, deux amoureux. Deux tourtereaux en pique-nique à la campagne. Très romantique. Mais je doute que les Allemands gobent ça. Ah, ils goberont tout ce que je dis, chérie. Laisse-moi faire ce que je sais faire. Ah, ça sert vite comme manière. Voilà, wow. Cherche les gaz. On ira se garer à l'écart. Si voilà. Ah, rien de tel qu'une bonne virée à la campagne pour apaiser les souffrances d'un homme. Je pense bien à un autre remède, et je dirais que tu l'as plus que mérité cette fois. Ça m'intrigue. Plus tard. D'abord, on s'occupe de Bishop. C'est ça la mission. Un peu court, mais bon. Et c'était pas très passionnant, hein. C'est juste une virée en bagnole. C'est authentique. Pas de doute possible. Ces fous l'ont vraiment trouvé. L'Arche d'Alliance. Merveilleux. Vous êtes un homme plein de ressources, Monsieur Devlin. Vous me seriez très utile. On avait un marché. J'ai travaillé votre caisse à travers la moitié de la France et j'ai dû tuer des gens pour ça. Je veux dire cœur. Et vous l'aurez.
Je sais de source sûre que le colonel Birker est à moins de 2 km d'ici en ce moment. Ah, on va pouvoir le buter. Birker est ici, au Havre. À la citadelle. Il se prépare à regagner Berlin en zeppelin. Si vous partez maintenant, vous pourrez la voir avant qu'il décolle. Alors, j'y vais. Ça promet. Une chose, monsieur Devlin. Vous n'auriez pas, par hasard, jeté un œil à cette caisse? Comme vous avez dit, ça me concerne pas. Ravi de vous l'entendre dire. Au revoir, monsieur Devlin. Et bonne chasse. Celui-là, il n'avait pas intérêt à l'ouvrir. Parce qu'il n'était pas dans la merde. Vive la vengeance. Sean, attends! Un agent nommé Pino a mis en sûreté au dock un camion de ravitaillement allemand. Utilise-le comme couverture, sinon tu passeras jamais la porte d'entrée. Depuis quand t'es dans mes pattes quand il s'agit de Dirker, toi? Je suis pas dans tes pattes. Cette histoire de vendetta est ridicule. Mais je commence à m'habituer à toi et je ne suis pas encore prête à te perdre. Oh, c'est mignon. Tu vas me faire pleurer. Ne sois pas si stupide. Je t'ai laissé un cadeau dans le camion. Je crois que t'apprécieras. Bon, trouvons-nous une bagnole. Bon, de toute façon, il y a un garagiste là-bas. Prendre un dauphin décapotable. Voilà. Allez, vous avez fui, il arrive à faire apparaître une bagnole comme par magie. On peut avoir cette foule, quoi. J'ai un pistolet silencieux. On va faire ça plus tard. Ah ouais, là on le voit bien, le gros zeppelin. Ah ben tiens, d'ailleurs, il m'emmène chez un marchand d'armes, ça tombe bien. Enfin, à côté d'un marchand d'armes. Bon, on va en profiter. Pour se l'acheter, ce pistolet silencieux. Alors. Voyons voir ce que nous avons. Ça doit être pas mal, mais personnellement, je préfère un truc du fil silencieux. À remplacer avec la. J'aime bien la carabine à lunettes, mais... Bon, on va remplacer avec la MP44. La MP44, ça se trouve facilement, faut dire. Je regarde juste les uns qu'il y a. Et donc, il y a pas mal d'armes. Intéressant. Bon, je verrai ça plus tard. En attendant, la mission. Devlin, ils attendent le camion à la citadelle. Assure, et ils te laisseront rentrer. Ok. Je pensais que tu aimerais peut-être changer de vêtements. Le style n'est pas terrible, certes, mais la mode n'a jamais été ton fort. Ciao, Skylar. D'accord. Ah ouais, c'est déguisé, là. Attends, déguisé en quoi, hein? Officiellement. On verra ça, putain. Ça grouille tellement dans le coin. Oh, mais ils ont des gros canons. Petit virage serré. Ah, parfait, on s'intègre parfaitement. On s'intègre parfaitement dans le convoi. Que moi je vais plus loin. Enfin, je prends une autre direction. Donne-moi s'il vous plaît.
Je fais comment là? Parce que s'ils sont trop près, ils vont me repérer. Je force le passage ou pas? Est-ce que ça les dérange si je force? On va forcer. De toute façon, j'aurais pas le choix. Allez, go! Livraison spéciale! Merde, j'aurais pu prendre la MP. Putain, pourquoi il recharge pas? Ah, mais il a plus de balles ce coup! Je sais, je vis un peu comme une balle là. J'ai un peu la pression. Allez, petite MP40. Allez, go. Merde, j'ai arrêté. J'ai remplacé ça par ma... Je vais vite récupérer mon snipe si je peux. Voilà. Ah, merde, petit bug de souris. T'es pas mort toi? Voilà. Boum! Eh, pourquoi t'es pas mort toi? Pourquoi t'es pas mort? Là, on commence à rencontrer des soldats d'élite. Ah non, peut-être prendre les balles. Je crame un peu. Voilà. Là, on va grimper. Bon nettoyage là. Dieu soit loué. Les escaliers. C'était un petit peu de la merde. Bon, faudrait qu'elle, peut-être qu'elle arrête un peu de bugger ma souris là, parce que c'est un peu chiant. Voilà, tu te calmes. Ouais. Ouais, il faudrait bien viser les réservoirs pour que ça explose vite. Passe en force. Oh putain. Go.
Non, vous ne reprendrez pas cette mitrailleuse. C'est pas loin pour un bug de souris là. Ah, de bugger, souris de mes mains. Oula, ils ont rien compris. Voilà. Ça va chier. Payez Dirker. Ah, comme... Est-ce qu'on va devoir prendre un parachute après pour descendre? Pénétrer au cœur du site. Du Zeppelin. Oh, déjà? Pas beaucoup le dire que il est moins bavard qu'avant. Ah merde, donc cette échelle. Donc cette échelle, débile. Exprès, hein. Du coup j'ai pété la gueule. Ouf. Mais tu fais de beaux sauts là. Pour Jules. Carrément le parachute, putain, la croix, le Wehrmacht. Ah, saute, allez, saute-tu dessus le mec. C'est ton seul moyen pour te venger et pour te sauver en même temps aussi. Ok, il t'explique même pas comment il est arrivé là. Style est encore en vie, il avait pas de parachute. Ah si, il en avait un. Si, ils ont même pas montré. Ah, fait chier, Dirker nous a échappé. Terreur des mutants débloqués. Oula, mais en ce moment elle fait des caprices la souris. Elle fait de ses caprices, je vous dis pas. On peut passer par là. Ah ouais, attention, le mec c'est. C'est pire qu'un cheval dans Skyrim. WI, c'est qui ça?
C'est au Havre au moins là. Attends. Dès je vais regarder. Ouais, ça va, c'est pas loin. Il y aura même pas besoin de prendre une voiture. Je ferais bien d'aller en toucher deux mots à Skylar. Oui, ça doit être pour William. Ah non, c'est Wilcox, ok. T'es vivant. T'es très observateur, toi. Où est Skylar? Je ne peux pas te le dire. Tu peux pas ou tu veux pas? Les allées et venues de Mademoiselle Sinclair sont confidentielles. Alors, t'as buté ce connard? Non, pas encore. Il faut du cœur et une main ferme pour tuer un type comme Dirker. Ils auraient dû choisir un vrai soldat. C'est dommage que t'aies été trop occupé à glander dans l'église. Dis à Bishop que c'est pas fini. La semaine prochaine, Dirker bouffera les pissenlits par la racine. Je pense qu'il est temps de rentrer à Paris. Véronique doit se faire un sang d'encre pour moi. Ah tiens, on va profiter pour en faire une quête secondaire avec ce Wilcox. Si tu fricotais pas tout le temps avec ces bouffeurs de grenouilles, je pourrais te dégoter un vrai boulot. Connard grosse bif. Tu veux que je t'aide à changer les couches de Bishop? C'est malin ça. Tu sais, Bishop se figure que t'es pas qu'un simple bouseux d'Irlandais, que tu vaux beaucoup mieux que ça. On dirait bien que le vieux a perdu son pari. L'Empire britannique n'est pas à 10 livres près, mais si Sa Majesté a besoin de mon aide, ça lui coûtera bien plus que ça. Il est dit que tu dirais ça. C'est quoi le boulot? Les Boches ont investi une vieille abbaye en dehors de la ville pour la transformer en installation radar expérimentale. Putain, c'est quoi un radar? Secret défense. Ça te dépasse un peu. Eh oui, bon, parce que le radar venait tout juste. Si ça tenait qu'à moi, j'appellerai vite fait une escadrille de Lancaster et je raserai tout ce merdier. Mais les Boches utilisent les bonnes sœurs comme boucliers humains. Nos aviateurs aiment les bonnes sœurs. Alors il vous faut un type sur le terrain pour faire le sale boulot. Le vieux dit que t'as du talent pour t'infiltrer et pour tout faire sauter. Il pense que t'es l'homme de la situation, je dis pourquoi pas. Si tu te fais buter, eh bien, ça fera toujours un sale Irlandais de moins. Garde ton sourire, Trouduc. Je reviendrai pour t'enlever ce sourire quand ce sera fini. Ah, c'est britannique. Opération SOE. Ah oui, ça, c'est des services de renseignement britanniques. À l'époque, en tout cas. Être à Paris, le soir, ça doit être un peu lent. Les barrières. Que tu peux admirer depuis la chambre interdite, bien sûr. Enfin, le sacré coup, plutôt. Montmartre, c'est plutôt le quartier. Ah, c'est quoi ça? Ah,
ce que c'est que ça. Une colombe. Une tire au canard. Ah, sympa. J'ai eu l'autre. Ah, ok. Moi, j'arrive à en avoir un. Le deuxième, j'arrive jamais à l'avoir, il va trop. Ah, putain. J'arrive toujours à en avoir un, le deuxième, j'arrive jamais. Ah. Ah, c'est vrai, les deux, j'ai réussi à les avoir. Oh, j'ai eu les deux d'un coup, là, attention. Ah, zut. Hey. Non, mais sérieux. Oh, mais tu vas trop haut, toi. Espèce de ouf. Voilà. Eh, mais... Non, mais sérieux. Bon, je vais quitter parce que là, ils me font chier, là. C'était marrant. T'as des petits mini-jeux comme ça. Pas bon. J'ai une mission à accomplir. En fait, on est en Allemagne, sachant qu'ils aiment bien incorporer l'Alsace et la Lorraine beaucoup à l'Allemagne. C'est loin, dis donc, hein. Merde. Des fois tu regrettes un peu, des fois qu'il n'y a pas des trucs à la Skyrim où tu peux te téléporter. Mais bon, encore, ça va, c'est pas aussi grand que Skyrim. Alors... Voilà, quand même, on va faire... Essayer de la faire un peu à la discrète. Là c'est une zone interdite, donc dès que je serai dedans, ils vont me faire chier. Bon, on va essayer d'en avoir un à la discrète. Ce sera plus chaud. Vite, on pique son uniforme. Nickel! Voilà. Oula. Ouf, je suis chaud. Donc déjà, t'en as un avant ici. Ah non, ça va, c'est vrai que dès que... Tant qu'il est pas... Tant que je suis pas dans son champ de vue...
Bah tiens, on va même se déguiser en SS, comme ça tu vas gagner un grade de plus. Tiens, je vais en profiter pour... Voilà. Puis remettre à l'endroit où c'était la base. Voilà, comme ça, on va organiser un peu notre truc. Voilà, nickel. Ah, tiens, il y en a un autre là. Ah, mais attends, le rond, il est encore plus grand quand je suis en SS. Oula. Non, non. Et boum. Décidé comme armée. Fusil à pompe, non. C'est pas trop mon genre, fusil à pompe, sur ce coup-là. Alors... Ça va péter. Pas grave, hein. Bon, on aura pu faire une petite partie discrète. Toi, tu ne t'échapperas pas. Poste-toi, toi, hein. On va passer là où on est à l'abri. Arrêtez de me tirer dessus, bande de cons. Bon, écoutez, fais chier. Là, ils ont besoin d'être calmés. Ah, ok, mais il y a une mitrailleuse. Allez, on va poser là. Comment manquer un joueur de 10 minutes. Comment oses-tu? Péter sa buzelle. Ouais, bah ça va, c'était ta part. Ah ouais, ok. On va les traduire un peu partout, les mecs. Voilà. Il y a une traduire aussi par là. Ah ouais, ok. Putain, ah. Ah non, pas bug. Oh putain, le bug de souris qui tombe bien au bon moment.
Oh putain, oh sérieux. Oh j'ai chaud. Le bug du souris qui te pile quand t'es entre deux mitrailleuses et un autre, c'est génial. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, des grenades. Bon, tu t'en prends une, toi? Allez, go. Non, c'est juste en fait, je vois son corps un peu à travers les sacs de sable. Hein? Là, je me. Comment on fait pour lancer les grenades? Je me plume. Pas d'autre chemin par là. Ne cherche pas de. Ah, désolé, ma soeur. Ah, du coup, c'était un allemand. Mais bon, je me suis dit si c'était un peu bizarre qu'il soit immobile. Que j'ai pas tout à refaire. Pitié que je n'ai pas tout à refaire. Attends, déjà rien que péter. Bon, ok, t'es obligé. Ah non, non. Oh, c'est génial, ils sont géniaux. T'es pas obligé de tout refaire. Moi, je pars. Je perds même pas mon temps avec eux. Non, pas la peine, pas la peine. Ah, super, en plus, ils m'ont remis à... Ça va m'en prendre de la gueule. Allez, oh non, putain. Madame, il y en avait, mais de partout. Ouh, là, je me tape des fails, là. Ça, vous ne devez pas apprécier. C'est chiant de revoir les mêmes séquences. Surtout quand on est spectateur. J'aime bien le temps de réaction. Mais bon, d'habitude je viendrai. Ah plutôt à m'en plaindre. Non, on va pas le faire. De... Bug pass, oui. C'est quoi ce projecteur actif? Bon, je sais que j'ai pas le péter, mais non. Oh putain. Souris, calme-toi, souris. Putain, c'est le bordel, je vois plus rien. Partout c'est bordel.
Attends, il n'y en aurait pas qui... Ah putain! Où sont-ils? Non, tu n'auras pas le temps de te réfugier. Oh, arrête, je suis... Non, sérieux, arrête, arrête. Oh, putain, bougez cette souris, calme. Je dis, c'est la bande. Ah ouais, quand même, ça fait quand même très mal. Oh, tu meurs pas, tu t'en es pris une dans la gueule. Pause. Go. Plus qu'un. Nickel, on va pouvoir se barrer. Enfin, alléluia. Fini. Bon, après c'est fail et tout. Mais bon, je pense que ça aura bien duré. On va s'arrêter là. A plus pour la partie 9.